Dans les deux premières vidéos, nous avons créé une base rythmique approfondie grâce au mode Scale. Et maintenant, je vais vous montrer comment ajouter des mélodies à ce titre en utilisant toujours le mode Scale. Cela vous permettra d'utiliser des mélodies harmoniques sur vos morceaux sans pour autant être chevronné à la théorie musicale. Voici mon rythme. Maintenant, si je sélectionne un son issu de synth 1 en pressant sur Shift et synth 1, je peux naviguer dans les différents patchs de son du synthé et choisir celui qui me convient. Dans cet exemple, je vais opter pour un son de cloche. Je vais à présent vous montrer à quel point le mode Scale est puissant. La première gamme donne ceci. Pour cette base, nous emploierons la gamme mineure. Maintenant, il nous faut sélectionner une fondamentale, qui est la même que le dernier accord dans le motif. Je maintiens Shift tout en appuyant sur Note. J'actionne n'importe quel pad. Je sais que la note ainsi générée sera dans la gamme de ma progression rythmique. Écoutons. Circuit est l'instrument idéal pour tous ceux qui ne maîtrisent pas forcément la théorie musicale, mais qui souhaitent réaliser des progressions d'accords complexes et des mélodies. Allez voir les deux autres vidéos si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis merci et à bientôt.